Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est notre première vidéo dans la maison de transition. C'est également notre première vidéo avec ma nouvelle coupe de cheveux. Donc voilà, on se retrouve pour les tribulations du mois de septembre. Elles ont été intenses, ces tribulations. Vraiment, j'ai enchaîné le mariage, la reprise du boulot et le déménagement. Donc ça a été vraiment très intense. J'ai été plutôt fatiguée, mais ça va, je crois que j'ai plutôt tenu le cap. Ouais, mais ça a été très intense. Ici, il a fallu qu'on prenne un petit peu nos marques, mais là, je pense que ça va, on est bien. Je vous tiens un petit peu au courant parce qu'il y en a qui n'arrêtent pas de me dire « Mais quand est-ce qu'on sera au courant? Quand est-ce qu'on sera au courant ?» Encore une fois, je ne vous fais pas du teasing à deux balles, c'est juste que je veux être sûre en fait, les démarches c'est long, on n'est jamais sûr que ça aboutira, c'est usant aussi, je me souviens à l'époque où on cherchait la maison, celle qu'on vient de vendre en fait, hein. À chaque fois que je ratais une maison, je vous le disais, c'est difficile parce que du coup tout le monde envoie des messages et tout et c'est dur, donc c'est pour ça que je préfère être sûre et vous en parler quand c'est sûr, comme ça il y a moins d'ascenseur émotionnel si vous préférez, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, vraiment un mois de septembre très intense, mais comme je vous disais, maintenant on est plutôt bien ici. Je commence à prendre aussi mon rythme de vidéo, donc ça c'est cool. Ensuite, que vous dire au niveau de ma coupe de cheveux, vous avez vu la vidéo ce week-end. J'en suis contente, franchement, là il faut que je m'habitue. J'ai ce côté-là qui se place mieux que celui-ci, mais bon, c'est un détail, donc du coup je me touche tout le temps celui-ci. Mais je suis contente, c'est cool, et d'autant plus que si ça me plaît plus, ça va très vite repousser si vous voulez dans la masse de mes cheveux, donc c'est cool. Elo elle a fait vraiment petit à petit, elle l'a coupé sur cheveux secs, comme ça permet vraiment de se rendre compte de son cheveu, du poids et tout, et du coup de pas couper trop court, parce que quand on coupe sur cheveux mouillés, le problème c'est qu'on risque de couper court et ensuite quand ça remonte, voilà. On est un peu déçus, donc voilà pour ça. Côté beauté, etc., ça fait 15 jours que je teste la gamme État Pur, donc je vous ai publié un vlog où je visitais les usines, etc. Pour le moment, j'en suis toujours satisfaite. Je vous en parlerai plus en détail quand ça fera un mois, deux mois, parce que je pense que là, c'est un petit peu tôt. Mais pour le moment, RAS, je suis ravie. Je commence à avoir un petit peu les effets, donc voilà. Encore une fois, j'attends d'en voir plus pour vous en dire plus. Pour cet automne, j'ai redécouvert la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte. Je me suis maquillée avec tout le printemps et même tout l'été. Mais là, c'est vrai que j'ai osé utiliser d'autres couleurs que j'avais pas encore, j'ai envie de dire, inaugurées. Donc, je suis partie en fait sur la teinte Rebel, sur toute la paupière mobile. Et ensuite, j'estompe tout ça avec Sweetheart. Donc, ça donne un make-up un peu prune, un peu rose, vieux rose. Et j'aime bien, là, pour l'automne et tout, c'est très chouette. On m'a fait remarquer que c'était joli comme j'étais maquillée. Et je crois que vraiment, j'aime bien. Ah oui, et aussi, je mets en ras de cils activiste. Donc, un brun un peu soutenu. Et j'aime bien ce make-up-là. Vraiment, du coup, cette palette, je commence un peu à utiliser toutes les couleurs. Et franchement, ça a été un bon investissement. Je l'aime beaucoup. Je trouve que parmi les couleurs, on peut vraiment utiliser pas mal de choses. Ça convient bien, je pense, aux brunes comme moi, aux yeux marrons. Mais ça doit très bien convenir également aux yeux bleus, aux yeux verts. Parce que toutes les teintes Bordeaux vont vraiment faire ressortir les yeux verts. Donc c'est cool. Et en rouge à lèvres avec, je porte celui-ci que je viens d'acheter. C'est, vous savez, toujours les bourgeois. En fait, je dis toujours parce qu'à l'époque où j'avais commencé à mettre du rouge à lèvres, il y a genre 6 ans, j'étais partie sur les bourgeois, les velvettes, ils sont trop bien. Et celui-ci, en fait, c'est la teinte Jolie Devin, la teinte 19. Et j'avais failli porter celle-ci au mariage. J'étais en hésitation. Je sais même pas si c'est peut-être celle-là que j'ai portée. En fait, j'en avais acheté deux. Un de chez NYX et un de chez Bourjois. Et je ne sais plus lequel des deux on a choisi au dernier moment. Tellement on l'a choisi vraiment au dernier moment avec la maquilleuse, avec Priscilla. Donc je sais plus. Mais voilà, j'aime bien ce petit make-up d'automne. Voilà, juste les yeux et les lèvres, je trouve ça cool. Comme d'habitude, vous savez, je me fais pas le teint. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter ce petit make-up parce que je le trouve fort sympa. J'ai pas plus à vous raconter côté beauté parce qu'au niveau des produits, j'utilise vraiment les trucs dont j'ai l'habitude. Parce que déjà, je voudrais les finir en fait, parce qu'ils sont entamés, donc je vais pas passer à autre chose. Et ensuite parce que j'ai mis pas mal de choses soit en carton soit dans des caisses, et du coup je reste fidèle à mes produits et je ne sors pas d'autres trucs en attendant, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est un peu en transition, hein, tout simplement. Donc pour le moment je reste sur mes produits. Et sinon, du coup, côté série, c'est trop cool. Écoutez, la jonction entre nos deux internets, c'est fait mais à merveille. Genre, c'est la première fois que je suis aussi contente.
d'un service internet, donc on est chez SFR. Et donc je les ai appelés 15 jours avant de déménager, je leur ai expliqué le truc, je leur ai donné la nouvelle adresse et tout, et ça s'est fait en 2 secondes, c'est-à-dire que ici on avait déjà internet, que là-bas on l'avait encore. Donc on a eu une semaine en fait où ça s'est chevauché et ça ne nous a pas fait de frais en plus. Enfin, ça a été trop bien, on a juste reçu une nouvelle box pour ici parce qu'on a un débit moindre qu'à l'ancienne maison, mais du coup voilà, trop bien. Et du coup on a pu avoir tout de suite Netflix, genre dès le premier soir, bim, on s'est mis Netflix, on s'est sorti comme à la maison dans notre canapé avec nos plantes et tout, c'était bon. et du coup qu'est-ce qu'on a regardé? On a terminé, ah oui, la saison 3 de 13 Reasons Why. J'ai des copines qui m'ont dit qu'elles avaient été déçues, moi j'ai plutôt bien aimé. Après en fait je me suis, enfin, j'étais contente de retrouver les personnages, je me suis attachée à eux et j'ai trouvé finalement la série beaucoup moins violente que la saison 2 en fait. Donc du coup j'ai vraiment bien aimé. On n'a pas du tout repris Stranger Things et j'ai plus du tout envie de la voir, donc je saurai jamais de quoi ça s'agit, je lirai peut-être les résumés, mais voilà, les images m'ont, là pour le coup m'ont paru beaucoup trop violentes pour moi. Et on a commencé une nouvelle série qui s'appelle The Island, ou Island, je sais pas trop comment ça se prononce. Comment vous raconter ça? En gros, je sais plus combien ils sont, je crois que c'est une dizaine de personnages qui se réveillent sur une île déserte et ils ont aucun souvenir, ils savent même pas comment ils s'appellent, et en fait heureusement ils se souviennent parce qu'il y a l'étiquette dans leur chemise qui, où il y a leur prénom dessus. Et il y a beaucoup d'agressivité, on sent qu'il y a un truc, et j'ai très vite deviné du coup la suite. Alors c'est dans l'épisode 2, donc, mais je vais quand même pas vous spoiler. Et après voilà, moi j'en suis je crois à l'épisode 5 et c'est une mini-série, il y a 7 épisodes. Donc j'espère, mon Dieu, j'espère qu'il y aura une explication à la fin, parce que je déteste Netflix, ils adorent faire ça, ils nous laissent en suspens, il n'y a pas d'explication, on fait ouais d'accord, et donc, et ça, voilà, ça m'énerve un petit peu, donc du coup j'espère que là on aura une explication. Fin août, tout septembre, j'ai lu ce livre-là, c'est La disparition de Stephanie Miller de Joël Dicker. Là j'en suis à la page 500, donc c'est quand même un livre qui fait 830 pages. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher, en fait c'est typiquement le genre de livre où j'ai du mal à accrocher parce que à chaque chapitre c'est un personnage différent et de temps en temps on switch d'époque, donc on oscille entre 94 et 2014 il me semble. Et moi j'ai beaucoup de mal, je me perds dans les époques, je me perds dans les personnages, je sais plus qui et tout, et c'est typiquement le genre de truc qui fait que je décroche un peu d'un bouquin. Alors que Joël Dicker, j'ai adoré les Baltimore, j'ai adoré La vérité sur l'affaire Eichheber, mais celui-là j'ai du mal. Pourtant l'histoire je la trouve cool, mais c'est juste ces allers-retours, ça me perd énormément. En plus ben, je lis un petit peu un pointillé, comme je suis fatiguée, je lis 3-4 pages chaque soir, enfin c'est un peu, voilà, c'est pas très fluide. Mais là que j'ai un peu plus de temps et que je suis un peu moins fatiguée, je commence à vraiment accrocher. Puis bon, t'approches vers la fin, donc t'as envie de savoir. Et puis je commence un peu mieux à me repérer dans les personnages. Mais c'est vrai que ce type, ce format de roman ne me convient pas du tout. Donc bon, voilà. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien savoir si vous avez lu tous les autres Dicker et du coup ce que vous pensez de celui-ci. Parce que franchement, voilà. J'ai eu du mal, alors je sais pas si c'est dû à moi ou si c'est dû au type d'écriture, parce que j'ai ma copine Elsa qui elle a totalement accroché, donc je sais pas trop. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je suis ravie de vous avoir retrouvé en face à face pour papoter dans notre canapé et dans cette maison de transition. Je suis très contente de cette vidéo, ça me fait plaisir, et puis ben, je vous dis à très très vite pour une prochaine.